Bonjour à tous et bienvenue pour une nouvelle vidéo. Les amis, aujourd'hui nous découvrons un tout nouveau mode de jeu. Alors si vous voulez être au courant des prochaines vidéos qui sortiront sur ce mode de jeu, je vous invite à vous abonner, puisque vous êtes encore très nombreux à ne pas l'avoir fait. Et en plus de ça, nous nous rapprochons grandement des 30 000 abonnés, alors vous savez ce qu'il vous reste à faire. Et pour faire le plus bel accueil possible à ce nouveau mode de jeu, si on pouvait atteindre les 2000 likes, ça serait vraiment insane. Je vous fais confiance. Bref, les amis, bienvenue en Maze UHC. Sûrement plusieurs d'entre vous l'ont déjà deviné, Maze s'inspire directement de l'univers de la trilogie Le Labyrinthe. Et non, vous ne rêvez pas, le but va bien être le même que dans le film, à savoir sortir le plus rapidement du labyrinthe. Voici comment se déroule une game de Maze UHC. À l'image du film, nous allons apparaître dans ce qu'on appelle le bloc. Le bloc est l'endroit où nous serons le plus en sécurité. À l'inverse du labyrinthe, aucun monstre ne pourra apparaître. Au contraire, dans le bloc, nous allons pouvoir miner, faire des évelages pour avoir de la nourriture, etc. La petite subtilité est que dans le mode de jeu, il existe 4 blocs. Le rouge, le jaune, le vert et le bleu. L'ensemble des runners, les joueurs, vont apparaître de façon aléatoire dans un de ces blocs. Chaque bloc renferme une clé. Le premier objectif va être de ramener la clé dans le bloc de la même couleur, puisque la clé verte apparaît dans le bloc rouge, la clé rouge dans le bloc bleu, la clé bleue dans le bloc jaune et la clé jaune dans le bloc vert. Et vous l'avez compris, pour naviguer d'un bloc à l'autre, il va falloir obligatoirement passer dans le labyrinthe. Encore une fois, à l'image du film, le labyrinthe sera ouvert uniquement la nuit. Dans un premier temps, il sera donc indispensable de créer des alliances, et ce, peu importe d'où viennent ces joueurs, peu importe s'ils viennent du bloc rouge, jaune, vert ou bleu. Une fois les clés ramenées dans le bloc de leur couleur, nous aurons accès à une zone au centre du labyrinthe. Cette zone nous permettra d'accéder à un hélicoptère qui nous permettra de s'enfuir du labyrinthe, ce qui sera synonyme de victoire. Mais malheureusement, ça ne sera pas aussi simple, puisqu'en effet, pour sortir du labyrinthe, nous aurons besoin d'une clé individuelle. Et cette clé est la tête d'un joueur, ce qui signifie qu'aux yeux de n'importe quel joueur, nous sommes une clé ambulante. Nous ne pouvons faire confiance à personne. Et c'est à partir de là que le mode de jeu devient encore plus intéressant. Obtenir cette clé signifiera que nous serons obligés de trahir au moins une personne. Nous devons tuer pour survivre, tuer pour gagner. Et pour pimenter encore le tout, j'espère que vous n'avez pas oublié les griffeurs. À l'image du film, les griffeurs sont des monstres appartenant au labyrinthe et ils peuvent infecter des joueurs. C'est pourquoi à l'activation du PVP, certains joueurs se verront infectés. Leur objectif ne sera alors plus de sortir du labyrinthe, mais de le protéger. Pour ce faire, ils seront obligés de tuer tous les blocards afin de les empêcher de s'enfuir du labyrinthe. Les infectés seront en team de 2. Par exemple, si dans une game il y a 4 infectés, il y aura 2 groupes de 2 infectés. Il est important de noter que les teams d'infectés ne doivent pas gagner ensemble. En l'occurrence, dans notre partie, les teams d'infectés sont littéralement 2 contre 48. C'est pourquoi, pour les aider, les infectés auront l'effet résistance 1 permanent. Vous connaissez maintenant toutes les règles de Maze UHC, un concept imaginé par Polo et développé par Skyla. Je remercie d'ailleurs pour l'invitation et l'organisation de cette partie qui s'annonce, écoutez-moi bien, épique. Je vous souhaite à toutes et à tous une bonne vidéo. A priori le mode est insane, j'espère que ça va bien se passer. Donc du coup on est avec un pack spécialement pour l'événement. C'est incroyable. Ça vous hype un peu là le mode de jeu et la game ou quoi? Est-ce que vous êtes hype un peu? 50 joueurs 50 joueurs pour ce soir. On ne voit ni les pseudos dans le tab. Une fois que ça va commencer, on ne voit pas les morts. Il y a le no name tag, ça va être terrible. Hein. Je pense que ouais voilà, en fait on est tous en équipe et en même temps tous les uns contre les autres, c'est Koh-Lanta les gars. Bon vous êtes hype, c'est cool. C'est cool, j'ai trop hâte que ça commence. Ah, ok. On est avec qui? Parce qu'on est avec des gens que... On est en team random au départ. Ok, on est avec Ino, Kiruto, je vois, Timotei. Ok, on est avec quelques personnes. On va se démute, ça commence. Let's go. Allô, bonsoir, comment ils vont? Il y a... Hop, mets la clé, moi j'y touche pas. Ok. Ah ouais. Ah ouais. Oh, ça lag là. Wesh. Ça va ou quoi? Wesh. Oh, l'ambiance du bordel. Comment on joue? Bah je pense faut prendre du bois et tout les gars. Bah c'est le mode de Minecraft en fait. Ouais voilà, c'est bien ce qui me semblait. Oh l'ambiance est folle wesh. Oh c'est trop bien. Oh je suis déjà heureux rien qu'au start. Bon les lags serveurs c'est un peu normal. Parce que bon on est 50 joueurs, il faut que le temps que ça se génère et tout. Donc j'espère que ça va un petit peu se calmer au fur et à mesure. Oh mais putain. Alors le but là par contre je suis perdu, je ne sais pas trop ce qu'il faut faire. Bonsoir à ouais. Tous. Ah mais vous avez déjà dû faire, vous êtes déjà allé en cave? Ouais mais en fait ouais, t'as dû ouais. Faire partout, tu descends en 3 blocs t'en as quoi. Ah ouais ok ok, j'ai pas fait gaffe. D'accord d'accord, ouais, je peux ouais. Vous emprunter 3 fers ou pas? Oui vas-y tranquille. Ok merci. Si tu veux. Mais franchement avec une cloche en pierre t'as assez hein. Ouais ok ça marche. Ah mais il y a même fast matching et Kiruto il a piqué tout mon fer, Kiruto ça me fume de rire. Merci. Tac tac. Ok, merci bien les gars. Oh les gars, attendez, je crois qu'on a Ino dans la team.
On va essayer de trouver une eau. Il faut qu'on fasse des alliances, putain. Il faut qu'on fasse vite des alliances. J'ai l'impression qu'ils sont déjà en alliance, les deux derrière là. Il faut que je retrouve une eau. Bonsoir les gars, juste pouvez me dire vos pseudos parce que combien pas le name tag là. Ulz. Ulz. Zero appelle le Ulz, moi c'est Evoray et lui j'en ai aucune idée. Ok, super. Bonne ambiance. Y'a qui là-bas? Je crois que c'est Ino. Ino, 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 Ino. Ino, 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 Ino. Mon frère, viens. Je t'ai cherché pendant 15 ans. Bah gros, j'avais crash. Alors? Voilà. Alors attends. Faut qu'on team ensemble là. Voilà, mec. On a tout, t'as tout compris. J'allais te le dire gros parce qu'il y a des teams qui commencent à se faire, mon frère. Ouais, là, j'ai entendu Timothée petit Ruto là. Voilà, ils sont tous les deux gros. Alors attends, je vais juste prendre vite fait du fer. T'as du fer pour moi ou pas? J'ai pas assez pour que tu fasses. Ok, bah attends, je vais. Apparemment, il y en a vraiment partout. Les jaunes, c'est le bloc vert. Et le bloc vert, il est quand on va vers le centre du labyrinthe, il est sur la gauche. Donc il faut aller au bloc vert. J'ai peur parce qu'il y a des alliances qui commencent à se faire. Là le premier objectif ça va être d'aller récupérer la clé de notre bloc. C'est trop important. On a un souci frère. C'est que c'est vers où le... Ah oui d'accord, il y a plusieurs portes. Ah je pense que les coordonnées ont un lien ouais. Il faut aller vers le centre je pense. Donc je pense qu'il faut aller vers cette sortie et à gauche. Okay. Non mais la fermeture est dans 20 secondes hein. Ah ouais merde. Gros on a qu'une vie hein. Moi en vrai mon frère Moi j'y vais pas. Là tu vas me dire que dans 8 secondes il ferme là. Ouais. Ah ouais frère j'ai peur en fait. J'ai vu y en a ils sont partis là, je crois qu'ils vont pas revenir. Y en a ils sont partis là. Oh c'est terrible. Oh c'est terrible, ils sont dans la merde. Ok, bon qu'est-ce qu'on fait en attendant là? C'est quoi le but? On va peut-être explorer un peu, il y a des trucs dans les maisons là-bas ou quoi? Mais je pense que c'est quand le cadavre est reporte, il y aura un en moins tu vois. Quand il y a un cadavre qui reporte. Ouais peut-être. Ok, il y a un lit, ça je prends. Une bibliothèque. Ah mais ça sert à rien. Mais je sais pas s'il y a moyen de trouver du diamant en vrai. Oh mais niveau heal ça va être difficile hein, il y a pas d'or non plus. Attends j'arrive, il y a un truc là-dedans tu penses? Prends les cobwebs qui font les cheminées. Mais comment tu veux qu'on ait des flèches? Ah, en tuant les mobs dans les. Bah, y'a des mobs. Ouais, déjà en tuant les squelettes et y aura peut-être des poulets. Oh, y'a des mecs derrière, attends. Les gars, ça se passe bien derrière ou quoi? Allo? Allo? Ça se passe bien derrière ou quoi là? Et vous bah, êtes qui? On a croisé les bleus. Oh, c'est Flumit! C'est les bleus. Coucou! Comment il va le bro? Bah ça va, j'ai chopé la clé rouge, mais j'ai pas... Non, on est jaune, nous. On est jaune, nous. Mais c'est quoi, On est jaune. Jeune. Okay. Flumit, t'es en alliance avec qui, mon bro? Alors, là, il y a Rizio et puis les autres, j'ai pas entendu. Rizio, il est là-bas, non? En vrai, ils peuvent rentrer et nous tuer, hein. Ça, c'est un problème, ça. Moi, je me mets sur le teco, au cas où, les gars, j'ai peur un peu. En vrai, je pense qu'il faut... Ok, on a une gap, ça, c'est bien. Il faut qu'on chope Flumit, en vrai. Flumit? Ouais, les gars. C'est toi, Flumit? Attends. Y'a Flumit ou pas là? Ailleurs, c'est bon, on va pas se taper. Mais non, ça sert à rien. Il est où Flumit? C'est comme chez nous. Ouais. Tant pis, on va dans un autre bloc. Faut qu'on se trouve des alliés. C'est dommage qu'on ait pas retrouvé Flumit, je sais pas où il est allé, putain. Alors, je t'ai dit, faut aller sur la gauche, t'es dit? Donc attends, vers le centre, sur la gauche, donc ça va être par là-bas. Oh putain de merde. On s'est mis des blocs partout. Oh là là, gros. La clé bleue a été déposée, ok. Ah ouais, y'a des blocs. Je le sens bien. Ah bonsoir, vous venez de quel bloc? Non mais t'inquiète, on va pas se taper gros. Non mais cours pas, t'inquiète gros. Et parle hein. T'inquiète gros, bonsoir. Ah tiens, Pega. Yo. Et... Attends mais ça c'est mon Kuka. Kuka parle, attends. C'est Kukari. C'est Kukari ça, je reconnais le... Ouais c'est ouais. Kuka. Frérot, est-ce que t'acceptes notre alliance mon petit Kuka? Oui j'accepte, avec plaisir. Ok, tu viens du bleu toi aussi? Ouais. Ok, la clé jaune a été déposée. Ah bah voilà. Ah c'est chez nous ça. C'est nous ça. Bah voilà, c'est fait. Ok, je... parfait. Bah maintenant ce qu'on a à faire c'est juste faire une alliance. Ok, là-bas il y a un truc. Mec, il y a un nouveau truc là-bas. C'est chez nous ça, non? Oh, c'est le zéro ça, non? Non. Non, c'est un bloc. Il y a un bloc. Il y a un bloc là-bas. On va aller là-bas, je pense. Allô? On se passe dans le bus. Oh les bros! Salut! Attendez, c'est mes bros ça, je reconnais, c'est Sikoscream ça. Ouais, mais il y a Zwayne et Clou is stuck. Les gars, faut qu'on fasse une team. Oh Zwayne le bro. Wesh les gars, comment... Oh y'a lui, y'a toute la team. Wesh les gars, comment ils vont? Venez ils vont, les amis? Venez enfin un vrai groupe hein. T'as la tête de qui? Ah merde, c'est vrai qu'il y a les infectés, merde. Ouais, avec nous, avec nous. Comment vous avez des items en gems les gars? Expliquez-moi. J'ai eu des coffres dans le labyrinthe. Ah. Soit des têtes. Il faut qu'on soit en team avec Sikoz et Zwayne aussi hein. Ouais, ils veulent pas. Ah oui, ils veulent pas? Bah ils sont partis avec les autres, non? Attends, mais le dernier mec, il est parti hein. Qui était avec nous là. Non, mais il peut pas être parti. Il est là-bas, ouais. Il farm la bouffe. Laisse-le farm la bouffe. Oh, deux doigts de lui mettre trois tatanes hein.
Non mais on laisse farm la bouffe pendant 7 minutes. On a deux doigts de te tuer, Granola, fais en sorte qu'on te tue pas. J'ai laissé les 3 stacks maintenant. Il a farm la bouffe. Non frère, on s'en fout de ça. Ah écoute-moi bien. En vrai tu me passes une gapel, je te laisse en vie. Mais j'ai plus de gapel, je me suis fait buter, j'ai failli me faire Oui, pas moi. T'as combien de cœurs là? Ah bah là j'ai moins de cœurs parce que j'ai pas. Ok, tu peux être encore utile, je sais pas. Oh, oula frère Lulu, qu'est-ce que tu fais? Mais vas-y. Wesh Lulu, tu l'as déclenché sans vergogne. Il s'en est battu les couilles. Mais frère Lulu, t'arrives quoi? Et Lulu t'as changé hein. Sympa, voilà. Ouais bon maintenant faut le terminer, hein, faut abréger tes souffrances. Mais Lulu je te retiens au cas où. Et Lulu à tout moment. Et les gars faites attention, Lulu est peut-être infecté pour qu'il fasse ça hein. C'est bizarre hein, son move hein. Ouais, bah, je mais il sera avec quelqu'un. Ouais, vous dégoûtez. Bon. Attends, on signale pas. J'ai pas eu la tête. On signale pas. J'ai pas eu non plus. C'est pas moi qui ai fait le kill. Bah, c'est celui qui a fait le kick qui a eu la tête. Hein. Non, parce que c'est moi qui ai fait le kill, je crois, et j'ai tout récup sauf la tête, genre. Qui a eu la gapel aussi là? Moi, c'est moi. C'est... Ah bah donc c'est Ino qui a tout récup du coup. Non, j'ai pas eu la tête par contre. Je vous jure que je l'ai pas. Hein. Mais la tête, c'est moi. Mais c'est pas sa tête. Ah bon? Lulu, pourquoi tu l'as déclenché aussi rapidement? Parce que je voulais sa tête. Lulu, je te dis, entre toi et moi, hein, je te connais mon Lulu, entre toi et moi, il y a genre grave moyen que tu sois un infecté. Hein. Ah non, mais moi de base ça me dérangeait pas, mais c'était qu'une idée quoi. Il faut qu'on prenne les bons fights les gars, parce que vraiment on n'a pas beaucoup de gapel. Donc non, déjà quand on voit des gens, faut vraiment être en mode chill. Oui, passif. On les engage que s'ils sont deux ou trois. On n'est pas, moi je suis pas allé tout à gauche, donc on peut y aller. Ok, une nouvelle gap, c'est bien. Ok, let's go. Là, mon super vas-y, pouvoir. Go vers la gauche, go vers la gauche. Ok, let's go. Ah. Bonsoir. Salut Bac, c'est qui? Yo. Bonjour, ça va? C'est Chapix. Alors, Rodak a tué quelqu'un. J'ai du mal à déterminer s'il est infecté ou s'il a tué un infecté, mais bon. Ok. Et tu saurais où aller la dernière clé ou pas? Pas du tout. Ok, et t'es avec un groupe de... C'est qui ton groupe? Mon groupe c'est Colo, Raph, Rizio, il y avait Beren je crois aussi. Et ah ouais, c'est un bon groupe en vrai. Ah ouais, c'est vraiment bon, un allié hein. Ah désolé mon frère, mais... T'as avec un bon groupe, hein. Ah, c'est terrible, là. J'ai eu la tête, c'est moi qui l'ai eu. Ça fait mal à faire ça. Non. Merde. Le corps. Go. En vrai, on peut le report, en vrai, on s'en fout, hein. Vas-y on le report. Go le report. Ah, c'est bon, ils savent qu'on est deux, au moins. Ok, vas-y, go. Voilà, c'est Nadi. Yo. Oh putain. Mais pourquoi on se tape? Pourquoi vous tapez? Pourquoi vous tapez? Wesh, d'entrée il tape, il arrive, il déclenche gros. Mais gros, j'ai eu peur. Wesh. En fait, disons que tout à l'heure on était justement. Mais attends, mais t'as une épée enchante ou quoi? Non, il y a une épée enchante. Oh putain, mec, tu m'as mis si cher gros. Bah, coup critique, je crois qu'il a mis. Mais bro, on était un groupe de 3, un groupe de 4, on s'est fait fumer par un mec qui était sur moi. Mais attends, j'ai pas compris pourquoi t'as directement fait gaffe, fais gaffe. Le Covid, les distances. Reste pas comme ça. Mais ouais. Fonce sur l'autre. Qui récup la tête? Kuka, t'as récup? Moi j'ai rien récup, les gars. Je suis derrière Ino depuis le début. Il est là-bas. Ah, c'est le bug. J'espère que Kuka. C'est qui de vous deux qui récup la tête, les gars? C'est moi. Ok, donc il manque plus que. Moi, super. Mais si, il lui vote, il a la première, les gars. Je te jure. Ouais, mais est-ce qu'on ferait pas un truc, Ino? On va au centre de la map, une fois que la clé a été verrouillée, on est les premiers à sortir, et voilà. Mais on n'a pas tous de tête, hein, encore. Oui, moi j'en ai pas, mais on en récupère une, les gars, au passage. On sait pas où il est le centre. Bah justement, c'est trop important de le trouver, justement. Go aller en moins. Bah, il y a des gens. Putain. Polo! C'est vous les derniers? C'est Gagab. Oh oui! Ah, enfin! Il est où le centre, les gars? On va vous montrer, les gars, on suit. Fasse une team. Il y a une team de malades au milieu. Ouais, il y a une team de fous. Le truc, c'est qu'on a pas toutes. Allez, go, bah on reste ensemble, les gars. On a pas toutes nos têtes encore. Oui, nous non plus. C'est pour ça, là, les gars, il y a une team. Attendez, go passer par là. On passe par là. On suit. Moi, je sais pas. Gagab. On vous prévient qu'au centre, il y a quand même une alliance d'au moins. Ah, ça casse les couilles. Sérieux, ils ont fait ça? On a tué 3 personnes. Ah, putain, regarde-les. Ouais, non, mais. C'est tous ceux qui ont une tête, ça? Du coup, les gars, préparez-vous. C'est le centre là? Ouais, je préparais vos fights. Pourquoi au fight? C'est Thomas et Ulti. On les fume? Attends, il y a des gens. On les fume, go. C'est quoi? Comment on fait pour sortir? Il faut aller tout là-haut?
Ouais, non, si t'as une tête, ouais. Non, ouais, moi j'ai pas de tête, moi. Si t'as une tête, non, moi je vous aide, hein. Moi je vous aide. Moi je sors pas. Non, on a pas de clé. Je sors pas instant. Moi j'en ai pas. Vas-y, on a pas de clé, nous, hein. Mais attends. Vas-y, on a pas de clé, nous, hein. Donc les gars, ils se barrent déjà. Les gars, venez, venez, y'en a trois qui se barrent là-bas. Oh, le 6ème joueur! Comment on fait? Comment on fait? Allez, on est sur le côté, écoute-moi! Voilà, let's go! Je suis mort, c'est le 6ème à gagner! Et voilà, c'est ainsi que se termine cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. C'était la toute première game que j'ai pu réaliser en Maze UHC. Et c'est à mon avis une des toutes premières fois que vous avez pu voir une game de ce mode de jeu sur YouTube. Si vous voulez voir un autre point de vue totalement différent, je vous invite à aller voir la vidéo de Nimbus qui est sortie quelques jours auparavant. Quant à la mienne, j'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me faire savoir en mettant un petit like, ça me ferait super plaisir. Et si vous êtes resté jusqu'ici, n'hésitez pas à me le faire savoir en commentaire avec le petit hashtag Maze. En ce qui concerne le montage, j'ai volontairement décidé de vous faire quelque chose de simple afin que vous puissiez comprendre facilement la game. Mais pour des futures parties sur ce mode de jeu, j'ai déjà de nombreuses idées de montage à vous proposer. Bref, je ne vais pas vous embêter plus longtemps. Merci encore à tous d'avoir suivi. On se retrouve samedi à 18h pour une nouvelle vidéo. D'ici là, prenez soin de vous, c'était Pegafil, je vous fais des bisous, à très bientôt, ciao ciao.